I think we need to sketch this. Je pense que nous devons arrêter de rejeter ce ventre mou de l'Australie et de tourner la tête. C'est une réalité et on doit s'en préoccuper. On doit en parler ouvertement et avoir des groupes comme celui-ci nous donne l'occasion de lancer la discussion. Parlons de ce qu'ils demandent, parlons de leurs intentions, parlons des mythes qu'ils avancent. De cette idée que l'Australie risque d'être islamisée. Disons pourquoi tout cela est faux. Représentant la communauté musulmane qui sont apparus divisés sur savoir s'il fallait ou non accorder un visa à Gadrider. Le premier de l'État d'Australie occidentale, Colin Barnett, dit qu'il aurait préféré que le populisme soit mis en avant, mais il met en avant le droit à la liberté d'expression. C'est une vidéo oxygène qui avait soulevé l'indignation dans le monde entier il y a 2 ans et demi. On y voyait 2 hommes être passés à tabac à l'arrière d'un pick-up. L'un de ces 2 hommes était un détenu qui s'était évadé de prison quelques jours plus tôt. Les images choquantes se sont rapidement propagées sur Internet. En février 2013, la police fidjienne s'était engagée à ouvrir une enquête dans les plus brefs délais. Ce n'est donc qu'aujourd'hui qu'ils ont finalement été surpris d'avoir battu les détenus à l'aide d'un bâton de bois et d'une barre de fer. Il s'agit de 3 officiers de police qui ont été placés en détention provisoire aux côtés d'un militaire. Apparaîtront demain dans le tribunal d'enfants pour savoir la police recherche le 5e suspect, un militaire. Ces mises en accusation interviennent alors que le chef de la police italienne, Ben Romwell, s'apprête à être dans un prochain état pour participer à la conférence du comité de l'ONU contre la torture. Eric Salomon, le Premier ministre, fait encore des soutiens. Après la démission du vice-premier ministre, 12 députés, dont 8 ministres, ont alors décidé de quitter le camp au pouvoir. Dans leur lettre de démission, les élus critiquent la manière dont Manassas Ogavare gouverne le pays, sans plus de précision. Une motion de censure devrait être déposée très prochainement. Et voilà pour les nouvelles statistiques que je souhaite de passer une excellente soirée. Australia Plus, the international media service from ABC Australia. On air, online, on mobile, and on social media.